Est-ce que une femme enceinte ou bien une femme qui a bâti mon tété capable boire ibuprofène? Qui est fait les capable faire sous bébé a? Qui est les capable boire? Qui est tout les capable les pas capable boire? Est-ce que tout une femme qui t'a aimé enceinte capable boire ibuprofène? Restez avec moi dans vidéo a, n'a apprendre en pile bagay. Salut tout le monde, bienvenue sur channel Attention Santé. C'est toujours ami Wilmic La Montagne. Sur channel ça, nous parlons seulement cause santé. Donc si vous nouveau sur channel là, moi recommande pour abonner à channel là, activer cloche notification pour tout, partager vidéo nous like et commenter. Ou même tout qui ancien sur channel là, moi vous remercier, merci. Merci parce que toujours partager vidéo nous, merci parce que toujours like et commenter vidéo nous. Normalement, nous connaît ibuprofène c'est un médicament anti-inflammation. Li calme douleur dans tête, li calme douleur musculaire, li améliorer fièvre et problèmes coliques, douleur menstruelle dans une femme ou bientôt nous capable dit douleur règle ou bien douleur croissance j'en dit en créole là. Ibuprofène c'est un médicament yo capable vendre sans recette dans pharmacie. Cependant, si une femme a fait plan pour lui gagner un bébé, li pa supposé consommer ibuprofène en grande quantité ou bien li pa supposé consommer ibuprofène et souvent. Lo consommer ibuprofène souvent, li ka fè ou pa ka enceinte. Ou ka passe en pile temps ou pa ka enceinte. Ça vin kondyo vè yon syndrome ki yo rele syndrome follicule. Syndrome follicule là, les mêmes lupral empêcher organe et qui responsable organe côté œil a grandi a, lupral empêcher que organe ça ouvre dans moment ovulation. Donc si organe qui pour recevoir et œil là, li pas ouvri et dans moment ovulation là empêcher pour tomber enceinte. Na kayo femme qui enceinte, li pa recommandé pour boire ibuprofène après 20 semaines de grossesse. Lo boire ibuprofène, le ou enceinte li augmenter possibilité pour faire yon avortement spontané. Si ou t'arrivé pas faire avortement, ou gagne en pile possibilité pour bébé a fait avec déformation et spécialement yon déformation qui relé en médecine gastrochisis c'est yon déformation côté que bébé a capable fait avec yon trou dans intestin li ou bien dans triple j'en dit la créole là gagne tout yon possibilité tout pour ti moun nan fèt avec déformation nan kòl. Donc lò konsome ibuprofène après 20 semaines de grossesse ou risque pour gagner en pile complication lè enceinte. Bébé a capable fèt avec problème nan rein. Donc on est à partir de 20 semaines de grossesse rein bébé a pral commencer à former liquide amniotique. Et nous connaissons le liquide amniotique là, c'est liquide qui protège bébé, c'est un sac qui protège bébé à l'avant tout. Et les bébés à loger dans sac ça que bébé a protégé. Donc en pile fois il y a des monde qui con douter les enceintes si on fait sexe et bébé a capable endommager. Et donc à l'aide de sac ça qui protège bébé à qui c'est sac liquide amniotique là, donc bébé à li bien protégé li pa gen rien. Donc si si rein yo affecté, si rein bébé a
Donc si le bébé a affecté liquide ça moins d'eau qui c'est liquide amniotique là il pas capable de former avec facilité ça capable faire pour moi pour mon bébé a avec squelette bébé a mal pour développer. Consommer ibuprofène pendant ou enceinte est capable tout affecter cerveau bébé a. À long terme ou capable être si mon nan les capable venir des difficultés pour lui apprendre bien l'école. Est-ce qu'elle est recommandée pour une femme capable si mon tété boire ibuprofène? Oui, une femme capable si mon tété capable boire ibuprofène. Si tout si tété lui enflé ou bien si lui t'a senti douleur dans tété a pendant la bâille si mon nan tété. Ou bien tout s'il senti s'il t'a gagné inflammation si t'étais à ta go ou bien quelque l'autre partie dans colis s'il t'a gagné tête fait mal ou bien douleur dans n'importe l'autre partie dans colis pendant que la baie bébé a tété a li capable boire ibuprofène ça pas affecter ni li ni bébé. Moi espérer vidéo ça t'aider nous casser rendez-vous pour nous rencontrer dans une autre vidéo encore. Donc si vous nouveau sur channel là, pas oublier abonner à channel là, réserver place. Donc ou même tout qui ancien sur channel là qui toujours supporter channel là, qui toujours partager la mes vidéo. Donc continuez faire ça, continuez partager vidéo nou yo, quitter un like en bas vidéo a. Donc l'on fait ça, ça fait plaisir, ça bon moins encouragement pour mon frère faire pour moi faire travail ça. Donc nous casser rendez-vous pour nous rencontrer dans l'autre vidéo. Bye bye.